Et c'est parti mon kiki, bon on continue le scénario hein, pour la 377 là. On avait fait la fois précédente passionnante excursion en train rapide, on a vu toute la ligne de Brighton à Eastbourne. On va faire un long trajet ici. Dirigez-vous vers London Victoria pour former un service aux heures de pointe avant de redescendre vers Gatwick Airport. Ah merde, dans un couplet peut-être. Bon, c'est vrai qu'on va faire ça. Allez, hop, il est quelle heure dans le jeu? Je sais pas. Allez, on va tenter notre chance. Hein. J'espère que ça va aller pour l'accouplement. Parce que l'autre fois, j'ai eu des déboires. C'était pas évident. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident leur truc. Je sais pas. J'espère que ça va aller. Ça va d'aller. Transim World Train. Ce jeu est très bien. Hein. Plus, c'est relaxant de conduire ce train-là. Il y a tellement de lignes et de trajets. Mais bon, je fais petit à petit. Hein. J'essaie de faire long trajet maintenant. On va essayer de faire tout ce qu'il y a. Cet engin, je l'aime beaucoup. Cette automotrice, je l'aime beaucoup. Bienvenue au service de voie de service de Victoria. Ce matin, on vous a demandé de conduire cette composition jusqu'à London Victoria pour former un train adapté aux heures de pointe. Ah oui, je suis dans les rails, moi. Je suis le conducteur, bien sûr. Je suis dans les faisceaux. Je vais aller prendre ma position. Je monte dans la cabinos. Je ferme la puerta, je m'assieds. Position la clé principale sur on. Inverseur neutre. Positionner les phares avant service de jour. Oh, ici, il me dit tout ce qu'il faut faire. Hein. Inverseur marche avant. Oh, je pouvais pas le mettre avant. Traction pour démarrer. Ouais, le signal est vert. Attention, l'autre fois, je me suis fait péter. Enfin, il est ouvert, le petit signal d'arrêt. Je m'étais fait niquer, moi, avec ça, l'autre fois. Il me dit avancer, mais il était rouge. On a combien de voitures? On a une AM. Quatre voitures. Cool. Bien sûr, on m'a couplé en gare pour faire un service de pointe. S'arrêter comme indiqué. Ouais, c'est ça. Ah, vraiment les gens qui habitent à côté quand même. Ils pourront tuer de l'eau. On est où à Victoria? C'est quoi? C'est la Tamise? It's the Thames? Is it the Thames? I don't know. Ah, il y a une petite reprise de vitesse. Prudence parce que là il est jaune quand même. Elle est rouge. Ah ouais, mais c'est un accouplement sûrement, non? On attend que le train soit passé, il y a un train qui rentre en gare à droite. Peut-être qu'il coupe notre trajectoire. On le laisse rentrer, on a le feu rouge, et quand la voie sera dégagée, elle nous laissera passer. À moins qu'il nous tire sur un autre train aussi en mouvement de manœuvre pour l'accouplement, c'est possible aussi. On va voir ce que fait ce scénario. S'il y a accouplement, c'est moi qui dis ça, mais comme c'est un train de pointe, on va faire un train de pointe, donc je suppose qu'il faut beaucoup de place pour les gens. Il est quelle heure là? 7h30, ah ouais, c'est le matin, les gens vont travailler. Ah, ça descend à 1,5 les gars, ça descend fort. Hein. C'est un peu salaud de me faire arrêter là, mais. Ouais, que le signal s'appelait WC. Mais... Nous devons contacter le signal là pour voir si on peut passer le signal. Allô, Papa Tango Charlie. Suivez à vitesse réduite.
J'essaie d'analyser ce qu'il y a. Ah oui, il a ouvert le petit mouvement de manœuvre, tu vois. 15 à l'heure. On voit 15, je ne sais pas. De toute façon, c'est vitesse réduite. Il y a un 32 à l'heure ici. Ça descend fort, je vais me laisser aller. Attelé, tu vois, il y a un accouplement. Ils disent attelage, mais c'est un accouplement finalement. Oh, c'est 500 mètres dans le temps. J'espère que je vais le réussir mon accouplement, hein, parce que c'est pas évident. Une fois, j'avais eu assez dur. Je veux pas dépasser le 20 à l'heure pour un accouplement. En approche prudente. On arrive sur une rame, hein. Il y a probablement déjà des gens dedans. Donc il faut éviter de faire des secousses. On est revenu sur du plat, c'est parfait. La rame est devant nous, à 300 mètres. Parfait. Boum, tu bourres dedans cette vitesse-là et t'as tout plié l'attelage. Je vais accoupler à 3 à l'heure. Entre 3 et 5 à l'heure, c'est la vitesse habituelle. On doit même marquer l'arrêt avant, dans les procédures. Procédure, il faut marquer l'arrêt complet normalement. Et puis on donne un petit coup d'action. Parfait. Déverrouiller les portes. Faut couper les phares, non? Ah ben ça va s'éteindre tout seul. On va prendre le relais. Éteignez ce train. Rendez-vous à la composition Gatwick Express en attente. Je suis pas en freinage. Voilà, je suis en freinage. Off. Coupé. Voilà, normalement c'est bon. Hein. Ah, les phares avant sur off. D'accord, je crois que ça se fait automatiquement. On récupère un autre train maintenant. Ah, c'est celui-là que je vais faire, le rouge? Oh, j'ai pas encore conduit le rouge. Je suis pas initié, moi, ça, les gars. Ah, je me souviens pas de savoir. J'ai pas conduit, moi, ça. Oh, je vais faire un rouge. Je vais faire le train rouge. Oh, merde. C'est la même conduite ou pas? Asseyez-vous sur le siège. Inverseur sur neutre. Les phares. Verrouiller les portes. Le bouton il est mis. Neutre. C'est bon. Qu'est-ce qu'il dit? Nous pouvons commencer le voyage en direction du sud. Attends, tu rigoles. Ah ouais, c'est bien. On va à vide alors. Là il est. Marche avant, tu rigoles. Je suis assis moi au moins. Appliquer l'attraction. On va à l'aéroport à 38 km. Ah, on part à vide. Cool. Oh, on a combien? 8 voitures aussi, ouais. Ah, c'est bien, j'ai un train bleu, un train rouge. On va à l'aéroport de Gatwick, les amis. On passe par la voie G.
trop bien, je fais un train rouge. Elles sont belles aussi ces AM là, je les aime bien, moi les AM anglaises, elles sont cool. Gatwick Airport. On fait vraiment des trains de service, qu'on amène une rame, on a couplé, l'autre conducteur prend le relais, il fait les trains de pointe, et nous on amène ce train-là à l'aéroport pour les gens, pour un autre relais sûrement. Oh, c'est sympa. Ah, ça me botte. Attention, ça monte très fort à la sortie de gare. Hein. Du moins la reprise parce que ça monte fort. Je fais une rame. J'ai pas vérifié les feux en queue. Ah, ils m'ont les rouges, c'est bien. J'ai 8 voitures hein, et j'ai les rouges. C'est bien. Scénario aussi, ils ont bien fait. Allez, on peut monter la vitesse maintenant. On est sur la bonne voie d'un peu plus rapide. On peut tirer, ça monte à fond la caisse là. Doucement. On laisse un petit cran pour. Ah, je fais les rames rouges que je croisais chaque fois. Ça, c'est bien. Ça me fait plaisir d'échanger un petit peu. Mais je suis étonné que je fasse un service avec. C'est pas une 377, quoi. Oui, ça, c'est une 377 d'une autre couleur. C'est pas. Je pense que c'est un truc d'une autre boîte. Je pense que cette automotrice-ci, elle était dans le. Dans la gare où on essaye des automotrices tout au début du jeu. Je crois que c'était une automotrice rouge. C'est probablement celle-ci qu'on a mis en service, qu'on a déplacé un petit peu. C'est pour ça qu'il me la donne. Comme si j'étais déjà ici initié, mais je ne suis pas initié en fait. Mais apparemment, ça se construit à peu près de la même façon. Ah oui, c'est une classe 387, tu vois. 2GX. Classe 387 2GX. J'étais allé sur du jaune. Ça redescend, hein. Je vais laisser aller. Ah merde, j'étais en roue libre déjà, ok. On est sur les ponts là. Ah, on va vite quand même, hein. C'est une belle rame, hein. Bien les sièges rouges là. C'est classe. Ah, ça nous change un petit peu. Oh, c'est vraiment chouette, hein. Ce jeu, il est sympa vraiment. Mais je suis étonné que je pensais faire une 377 là. Et... pas une 377. Si on prend de la vitesse. La reprise est seulement un peu plus loin. Coucou, c'est moi. Bonjour, bonjour les gens. 3,87 2GX. Hein. Ouais. Bizarre qu'il nous a donné cette automotrice, c'est parce qu'elle roule sur la même ligne que je suis en train de faire. C'est un scénario pour la même ligne, quoi. C'est ça quand il m'a dit Gatwick Airport, ça m'a semblé étonnant par rapport à l'aéroport de Londres. Et on est parti, mon kiki, pour l'aéroport. Salut Robert! Salut Marcel! Ah, il y a du monde ici. Hein. Train en passage pour l'aéroport, laissez passer le service. Ouais, 34 km, on va pouvoir tracer là. Salut Ernest! Ah, il y a du monde aujourd'hui. Hein. Ils sont tous là. Oh, il y a Papy Bouzou qui est là aussi. Oh, salut Papy! Ah bah tous mes collègues sont là, hein. On s'est levé tôt. Hein. Eh, il est 7 h du matin. Ah, et nous on commence le service 3 h, 4 h du mat, préparer les machines, tout ça, prend du temps. Hein, pour la sécurité.
Bah c'est notre Robert encore qui est là, qu'est-ce qu'il fait? C'est Robert 2. Oh là 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 là! Et Marcel 2 aussi! Ils sont tous là! J'arrête pas de croiser des collègues! C'est un truc de ouf aujourd'hui! Ils se disent, oh chanceux, toi tu vas à l'aéroport, nous on se tape toutes les heures de pointe. Et oui, c'est comme ça, moi j'ai choisi, j'ai changé de service avec Albert. Ah ben le voilà Albert! Salut mon pote! Ah oui, vous êtes tous à la queue leu-leu dans la gare, les mecs, hein. Moi je me taille. Oh là là, encore un collègue, c'est pas vrai. Ah, je sais pas qui c'est lui, ça doit être un dans notre dépôt, je le connais pas. Il est pas reconnu en tout cas. Oh, attention, passage en gare, passage en gare. L'express pour Gatwick Airport est en passage. Alors, mission spéciale. Oh là là, ils sont tous l'un derrière l'autre, c'est plus possible, c'est plus possible, il y en a trop. Salut mec. Allez, on continue à tractionner. On est bon tonton, regardez-moi ça, le petit train dans la campagne. Pas beau ça? Oh là 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 là, on va pas passer en gare. Attention, laissez passer le service, train express pour l'aéroport. Oh là 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 là, c'est des autres collègues, c'est pas possible. Oh là là, je suis en sandwich, je suis sandwiché. Et ils ont pas intérêt à gourer les signaleurs, hein. T'as vu l'hécatombe que ça aurait été là. Allez, on se remet sur la voie du milieu, le juste milieu, la voie du Bouddha ici. On est parti, mon kiki. On va vers Gatwick Airport, on pile la vitesse. Grand V. Oh là 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 là, on n'arrête pas de croiser des gens. On voit que c'est l'heure de pointe, hein. C'est bingo tout du monde, du monde, du monde, du monde, du monde. Ben dis donc. Allez, on va retractionner un petit peu, quoique ça va redescendre. Qu'est-ce que c'est silencieux ces AM? J'en reviens pas, quoi. Je le dirai jamais assez, c'est étonnant. Waouh, c'est le rêve de conduire ce train-là. C'est parti, mon kiki. Ouais, oh là là, tout le monde est là. Ça roule, il y a des trains, des trains. Ouais, Londres, aux heures de pointe, c'est la folie, hein. The folic. Ah, ça descend encore. Attention, le train express pour l'aéroport est au passage. Reculez du quai, s'il vous plaît. Il n'y a pas trop de monde quand même sur les quais pour une heure de pointe, je trouve. Ça devrait être blindé de monde, noir de monde. Noir de monde. Ah, ça remonte un petit coup, on va remettre un petit cran. Ça remonte même assez fort. Automotrice. Ah, il y a un 97 à l'heure, mais ça m'en a pour le temps. 3 km. Attention, l'entrée en passage pour Gatwick Aéroport. Ah, les gens commencent à arriver quand même. Ceux qui vont au bureau. On va se laisser aller, ça descend. Fantastique. Toutes les mêmes maisons. Elles sont clonées ici. Hein.
plein de ponts. Il y a plein de sous de ponts. Là, on va remettre un peu de vitesse. Là, on a perdu un peu trop de vitesse, mais j'ai pas vu que ça montait si fort. Alors, on regarde une carport. Attention, train en passage principal. Eh bien, les gens, vous ne faites pas aspirer par le train. Je vais redescendre d'un cran. Parce qu'on va arriver au 97 là. Voilà, on y arrive. À quoi que ça monte fort, hein. On va relaisser un cran quand même. Attention, train au passage. Merci, au revoir. Salut les gens. On a pris une petite biffe. Attention, il y a un 72 à l'heure là. Ah, c'est un peu plus joli ici. Ça monte. Attention, on va casser la vitesse hein, parce que là on approche du 72. Plus on a un jaune. Ah, il est passé vert. Je crois que c'est bon là, on peut laisser aller. On va rester au poste de conduite parce que c'est un petit peu dangereux là. On va rester prudent. Il y a un aéroport à 8 h prévu. Ouais, encore 10 minutes de route. Ça va aller 10 minutes pour faire combien? 26 km? Ouais, tracé quand même, hein. R64 à l'heure. Voilà, c'est bon. On est sur du plat. Alors après ce parcours, je me ferai un petit café. Ça m'a donné soif de petit café là. Voilà, on est au 64, on est bon. On va avoir une reprise. On a pris l'aiguille, hein, c'est ça. On va avoir la reprise à 97. Change d'itinéraire là. Nous sommes sur nos doigts. On a bientôt la reprise. On aura une reprise à 145 bientôt. Oh là, je suis dans les terreaux. On peut y aller, on peut tirer un peu. Ah ouais, on a pris à 145 bientôt, là, c'est un truc de fou ça. On va pouvoir tracer les gars. On a encore 500 mètres, quoi. Passage pour l'aéroport. C'est dit. Gardez train au passage. Putain. On va arriver à la reprise à 145. Mon train va passer vite parce que là on va déjà vite. Allez, la reprise 145. Bing, bing, bing. On y va. Ah, on trace maintenant. Donc on arrive à l'heure. Hein. On va essayer, mais ça va être compliqué quand même. Dans 22 km au Gatwick. On va essayer d'arriver à l'heure. Hein. Oh, pas trop. Allez, on est au passage encore ici. En passage, attention.
en France, hein, les gars. C'est ça la vitesse qu'on file là. Ça monte en plus. On a encore 21 km. On passe à la voie principale. Vite, on va chercher les gens qui vont descendre de l'avion. Ouais, c'est défi là. Mais là, le bruit est quasi inexistant. Les gars, on a 142 à l'heure, on n'entend quasi rien. Magique. Laisser un petit cran, l'air d'être intendu. Je peux m'emmerder. Bon, on a un peu à l'étroit. Hein. On a un peu à l'étroit dans ces passages-là. On passe des ponts. Ça remonte un peu plus fort. On a encore 17 km. Oh, on sera jamais à l'heure. Pas possible. Je sais pas où j'ai perdu du temps. Mais... On en surélevé par rapport aux autres là. Ah, vite, hein. On va passer dans un tunnel. On a des phares au moins. C'est pas des phares qui éclairent. Hein. Ah, ça redescend, fais gaffe, mec. Quoi que dans la... Je vais peut-être allumer ma cabine, tiens. Au moins pour avoir l'impression de voir quelque chose. Ah, ça descend trop fort. Hein. 13 km. On a bien roulé. Hein. Ouais, c'est les grands tunnels avant d'arriver à l'aéroport. 1 milliard, c'est long. Hein. Imagine, t'es en panne là-dedans. Purée. Kilomètres.
Il va s'en va à peu près à l'heure. Descend toujours. Oh, il reste 9 km, je serai jamais là en 1 minute. Hein. Pas rêvé quoi. Alors, on est au 129 à l'heure, ça descend toujours. Ah, une reprise à 145. C'était juste pour la courbe ici sur le 129. À la sortie de gare ici. Attends, il n'y a même pas de gare. Je crois qu'il y a une gare. Parti, on peut tracer 145 à l'heure. On est go, tonton. On trace, hein. Kilomètres. Ouais, nous serons avec un léger retard, hein, j'imagine, mais c'est avec les heures de pointe, c'est normal. On est à 140 là. Ouais, c'est cool, on a pu rouler. Hein, ça fait deux scénarios qu'on peut rouler comme il faut là. Tous les arrêts, c'est chiant hein, finalement. Parce qu'on roule, c'est bon. Ah, les omnibus, c'est le pire. Arrêtez, démarrer, arrêtez, démarrer, arrêtez, démarrer. Bah, il y aura un 97 à l'heure avant l'arrivée de l'aéroport. Allez, un feu jaune, ça m'embête. Je retourne à mon poste parce que là ça me tracasse le feu jaune là. Commence à casser la vitesse parce que s'il reste jaune ça pue quoi. Les doubles jaunes. Bon, pas de risque. Attention, train passage, chez amis, train passage, on gâte le carrefour. On arrive bientôt là. Je reste à mon poste de conduite. On est là. On est presque arrivé. On va casser sa vitesse bien là. En tête un rouge après. Il me dit quoi? Il y a un signal, un deuxième signal complémentaire, un cul-de-sac sûrement. Là, il a changé. Il marque quoi? Cul-de-sac 7. Attention, on va sur le rouge quand même. On le rouge au bout de quai, donc c'est sûrement le cul-de-sac niveau 7. On va pas prendre de risque. On va arriver à une quarantaine à l'heure, c'est pas mal.
et on continuera à réduire au fur et à mesure. En plus, ça monte un petit peu, c'est bien. Rester très très prudent. Je crois qu'on arrive sûrement au cul-de-sac. Ah mais non, il y a une grosse vitesse. C'est une principale alors. Mais on est sur feu rouge quand même. Je pense pas que ce soit un cul-de-sac parce qu'on avait un 90 à l'heure ou je sais plus quoi. Nous arrivons à Gatwick Airport, mesdames et messieurs. Je vous souhaite un bon voyage si vous prenez le train. L'avion, pardon. On va essayer de pas le péter, sinon tout mon scénario est foutu. Hein. Des fois, ils demandent d'aller assez loin pour amener le truc. Ça va, l'arrêt n'est pas au pied du signal, ça va. On est bon tonton. Et voici, voilà, on n'a que 5 petites minutes de retard. Déverrouillons les portes pour ces gentes personnes. Et voilà, nous sommes à Gatwick Aéroport. Il est où l'aéroport? On peut le voir? On entend les avions. Vous entendez le bruit des avions? C'est fou, hein? Ah, il m'a semblé voir un avion atterrir là. Merci à notre conducteur à prendre le service vers Brighton. Voyons comment vous êtes débrouillés. Je pense que ça n'était pas trop mal, hein? C'est pas été trop dégueu, les gars. La vitesse, on était parfait, regardez. Ah, mais dans l'or, tu m'étonnes. Regardez ça. Ah, j'ai même été super prudent. Regardez ça, les petits oignons là. Regardez ça, ça. Ça, c'était le passage chiant. La sortie de guerre était assez dure aussi. Mais voilà, on a bien fait notre trajet. Eh ben, c'est fantastique. J'aime bien parce qu'il m'a mis classe 377 alors que j'avais une classe, je sais plus combien. Je l'ai noté. 387 2GX. Voilà. Ok, et eh ben voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Bon voyage en avion à Brighton, à Gatwick, pardon.